Salut chers sportifs, bienvenue pour ce premier résumé de l'actualité marquante de la semaine. Football, nous parlons du challenge des champions, une nouvelle compétition de la Ligue sénégalaise de football professionnel en remplacement de la Supercoupe. On connaît déjà les demi-finalistes, US Gorée face au Djaraf de Dakar, TFC retrouve Diambar de Sali, Tenguet FC. Depuis quelques années se gère bien en début de saison, les Rufiscois se sont qualifiés dès la première journée de la compète en époustant les académiciens de Dakar Sacré-Cœur par 4-0. Le match nul de ce dimanche face au Djaraf était juste serré sur le gâteau, un but partout. C'était le score au coup sifflé final. Djaraf se qualifie avec seulement 2 petits points. Diambar peut remercier Mortal Gaye. Le club de Sali Portugal faisait face à Génération Foot ce dimanche. Si les Grenats ne se sont toujours pas relevés de leur double échec en qualif de la Ligue africaine des champions et de la Coupe CAF, les académiciens perdent la forme et l'ont montré ce dimanche. L'honneur revient à l'excellent Mortal Gaye qui a inscrit le but de la victoire des siens. 2-1, c'est le score final. Nous allons rester sur les pelouses pour parler du tournoi UEFA Zone A avec les moins de 20 ans. Modestie à part, le Sénégal est trop fort pour la Sierra Leone. Les Lionceaux étaient sans pitié pour les Leone Stars. Avec un pas matard sar mirobolant, le Sénégal donne une raclée à la Sierra Leone avec le score de 4-0. Saliou Gueye était l'autre buteur de Youssoufa Dabo. Vous voulez qu'on parle de coach You? Ce monsieur se gère bien. Finaliste malheureux de la CAN U20 et quart de finaliste du mondial de la catégorie, Youssouf Dabo, nouvel entraîneur de Tenguet FC, continue d'impressionner les observateurs. Hors de chez nous, nous avons tous hâte de voir The Special One sur le banc de touche d'une équipe. Eh bien, c'est fait. Mourinho arrive chez les Spurs. Pochettino part je ne sais où. Entrée réussie pour le Portugais qui est allé battre West Ham sur son jardin par 3-2. Comeback réussi pour Mou. C'est normal, l'ancien de Chelsea va toucher un salaire XXL de près de 12 milliards de francs CFA par saison pendant 4 ans, soit plus du double que le salaire annuel que touchait jusque-là Mauricio Pochettino. Vous comprenez mieux pourquoi José Mourinho était hors d'atteinte pour les clubs français dont l'Olympique Lyonnais. Bref, Sadio Mané a inscrit son 9e but de la saison en Premier League en seulement 13 journées. Sérieux candidat pour le Ballon d'Or France Football, Sadio Mané a sauvé les siens ce samedi contre Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté. Mambiran Diouf, vous faites exprès de l'oublier? Eh bien, il vous fait un coucou depuis la 2e division anglaise. Pour son 2e match avec l'équipe A de Stoke City, Diouf a marqué le but de la victoire des Potters. 2-1 sur Wigan, son premier de la saison. Le Lyon a envoyé chez les U23 depuis le début de la saison, a saisi l'occasion qui lui est offerte pour répondre à son entraîneur. En France, le seul gagnant de ce week-end est Alfred Gomis. Face à Rennes de l'autre portier de l'équipe nationale du Sénégal, Edouard Mendy, Gomis a gagné le duel des cages grâce à la victoire des siens, 2-1. Marseille enchaîne une 3e victoire en Ligue 1. Le club phocéen a dominé le TFC dimanche sous le score de 2-0. Karim Benzema n'est pas l'un des meilleurs avant-centres du monde. Il est le meilleur à ce poste. L'attaquant français, sinon l'ancien attaquant pour Noël Le Graët, est à 10 réalisations en 14 matchs cette saison. La seule sélection du Sénégal qui gagne des titres, c'est bien celle de Bitschke. Et voilà, elle a gagné hier son 2e match du Mondial qui se dispute présentement à Paraguay en dominant largement la Biélorussie sous le score de 7-2. Victoire logique, les Lions de la Plage sont trop forts pour leur adversaire. Les Lions de la Plage sont désormais leaders de la poule C. Qui peut faire mieux? Et bien vous, sportifs, en cliquant sur abonner et partager.